Bonjour, il me fait plaisir de me retrouver avec vous alors que nous parcourons ensemble les, les, les textes de la parole de Dieu pour cette grande et belle saison de, du temps du carême. Nous sommes aujourd'hui à notre deuxième dimanche du carême, là où Jésus conduit trois de ses, de ses apôtres, Pierre, Jean et Jacques, sur une autre montagne afin de leur révéler un aspect essentiel à lui-même pour aider ses apôtres à être prêts pour mieux vivre leurs responsabilités alors qu'ils auront à, à vivre des moments difficiles, à faire face à des réalités très dures et de vraiment mettre à l'épreuve leur foi. Comme vous le savez, tout au cours de ces réflexions durant le temps du Carême. Mon intention, c'est de vous aider à mieux vivre cette crise de la pandémie à la lumière de la parole de Dieu tout au long de ce Carême. Alors le moment de la transfiguration de Jésus sur la montagne, c'est un moment où Jésus se révèle à ses apôtres de façon à ce que ces apôtres puissent mieux saisir une réalité bien autre de peut-être ce qu'ils ont déjà vu de Jésus. Alors bien sûr, Jésus, pour eux, c'est un homme de Dieu, un homme bien important, un homme qui est habité de, de, de pouvoir, de guérison, de libération. Mais là, aujourd'hui, afin de les préparer à être des témoins de la foi, tout au long de la Passion de Jésus jusqu'à sa résurrection, Jésus les prépare pour qu'ils puissent être témoins d'un événement, disons, extraordinaire. J'ai l'impression que dans nos moments de doute et de découragement, c'est important pour nous aussi de reconfirmer nos convictions profondes en la personne de Jésus-Christ comme étant notre Sauveur. Bien sûr, pour Pierre, Jean et Jacques, eux qui ont été témoins aussi de l'agonie de Jésus dans sa passion, euh, ils auront cet événement bien marqué dans leur mémoire pour les aider à croire que dans la mort de Jésus, il y a aussi autre chose à, à vivre et à connaître qui est sa résurrection. Et c'est justement ce que cette transfiguration cherche à révéler aux apôtres. C'est qu'en Jésus, il y a bien plus que juste un homme de notre nature humaine, mais qu'il y a bien une divinité en Jésus lui-même. Et tout cela se révèle, on nous parle de cette lumière qui, qui jaillit de l'intérieur de lui-même. C'est pas une lumière qui est projetée sur Jésus, mais on parle d'une transfiguration comme ceci. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devaient resplendissant d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. C'est comme si la lumière venait de l'intérieur. Et, bien sûr, cette expérience unique, pour les yeux des apôtres qui sont témoins là, ils vont reconnaître une image semblable au jour de la résurrection de Jésus. Mais cet épisode dans leur vie avant la passion sera d'un aide bien important pour eux. Laissons Jésus se révéler à nous au cours de cette pandémie. Laissons-lui nous redire comment il est vraiment notre sauveur et en qui on peut mettre toute notre confiance. Je vous souhaite de vivre un bon temps du carême. Continuons ensemble à tenir bon jusqu'au bout avec Jésus.